Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire lancer un deathmatch. Oh. Pendant ce deathmatch, eh ben, je vais te regarder faire. Moi, je vais me mute. Je vais pas communiquer avec toi, rien. Je vais te laisser faire ton deathmatch et on va te regarder. Et moi, je vais t'analyser et écrire tout ce que je vois qui est bon ou qui est moins bon. Pour Ok. qu'après, on puisse regarder ça ensemble et y arriver. Allez, let's go, tu peux lancer. Allez, parfait. Sur Discord, la 4 tiers, on la voit en carré, nous. Mais lui, il est étiré, je pense. Il est carré, oui, carré, c'est propre, c'est carré, tu C'est juste le record Discord. Pour l'instant, je parle. Dès que le warm-up commence, je finis. Voilà, ça marche. Je me mute et je regarde ton gameplay. En noir. Mais c'est normal, c'est le Discord qui fait ça, c'est. Peut-être pas la personne qui joue. La personne ne joue pas comme ça. On va analyser tout ça. Allez, dans 10 secondes, je me mute et je te regarde faire. Si tu peux le faire au Vandal, par contre, ça Ouais, m'arrangerait. t'inquiète, c'est juste à chaque fois je fais ça. Allez, parfait. Impec, impec. Alors, on est bon. Allez, feu! À de suite, j'ai la chef. Allez. Allez, ça part de là. Bon, déjà, on a vu qualité graphique. Bon, il joue en 4 tiers, donc peut-être qu'il peut se permettre un petit peu plus de. Un petit peu plus de qualité graphique, même si bon, c'est pas ouf. Après ça, c'est un petit détail, on va dire. Ok, donc on a vu le couteau, hein. Sort trop le couteau. Ça sort trop le couteau. Les joueurs qui vont faire ça, qui vont avoir ce réflexe-là, ça va être souvent des joueurs qui vont avoir la sensi trop élevée. Généralité, sensi trop élevée. Et qui vont jouer vraiment qu'avec leur réflexe. C'est-à-dire qu'ils vont, il va que bouger la souris. Il va faire que jouer la souris, que jouer la souris, que bouger dans tous les sens. Tac, 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 tac. Et essayer d'aller faire vite le kill. Me ramène à énormément de joueurs hein, forcément du coup hein. Mais lui particulièrement au niveau de sa sensibilité donc déjà sensi 3 pour moi c'est une évidence. Oh. On a vu hein. Il a fait un petit strafe, il a tiré à côté, un autre petit strafe, il a retiré à côté parce qu'il a trop vite joué avec sa souris et pas assez avec son clavier. Précipitation plus contrôle du recul plus crosshair placement. Ça se rejoint, tout ça se rejoint. Hein. Précipitation qui fait que du coup il contrôle pas son recul et qui fait que du coup ben, son crosshair placement n'est pas bien placé parce qu'il panique de la situation. Lino, tranquille s'il te plaît. Lino, Lino, c'est bon, calme-toi, tranquille. Je vais te prendre en coaching et je vais te critiquer comme ça moi aussi. Ok. Trop tendance à vouloir tirer dans le corps et à faire des bursts pas contrôlés, du coup c'est. Tac, 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 voilà. Nice. Nice, mais du coup il a commencé à tirer dans le corps. Hein. Et vu que c'est pas contrôlé, c'est parti dans la tête. Non mais je te le ferai pas, Lino, c'est juste Oh. pour te montrer qu'il faut que tu arrêtes de critiquer les gens. Parce que si je te regarde jouer, je suis sûr et certain de voir énormément de défauts. Donc critique pas les autres, dis pas les autres nani nana. Si toi t'es pas irréprochable non plus. Sachant que t'as pas non plus le stress d'être là, passé avec moi, et que tout le monde te regarde jouer. T'es tranquille dans ta chambre, mène dans le caleçon, frère. Donc détends-toi. Ok, le crouch était bon à ce moment-là, peut-être un peu moins bien fait. Tac, tac. Alex, une cam chez toi.
Nice, ça, corps à corps, bonne précision du crush, c'est nickel. Limo 3, je pense être irréprochable. T'es très toxique alors. J'aimerais pas être dans tes games. Tendance à viser tout le temps que le corps. Hein. Ça va être un défaut. Le crush l'a tué parce qu'il a crush et du coup son crosshair va avant d'être descendu. Et vu qu'il crush, spray pas bon, pas convenablement, mais du coup ça fait ça. Merci le relay, c'est gentil. J'ai pas trop le temps de regarder le chat non plus, hein. Vous pouvez le comprendre. Mais c'est gentil, merci. Dominating. Bon, de toute façon j'ai assez d'informations pour qu'on puisse travailler. Ok, impec, nickel. J'ai eu les informations que je voulais savoir. Je le sais. Ça je le sais et je fais exprès aussi de le faire comme ça aussi. Hein. Je fais exprès de vous mettre, voilà, je vous dis bonjour, go deathmatch. Je vous fais paniquer à vous dire que je vais me mute pour justement te faire stresser en fait, c'est voulu. Parce que le stress, du coup, tu vas l'avoir dans tes games. Et si je vois pas comment t'es pendant tes games en ayant le stress au maximum, bah, je pourrais pas savoir ce que tu fais de mal en fait. Parce que là, tu si t'es pas stressé, bah, tu vas faire des choses, bah, tu vas être irréprochable, quoi. Tu vas faire les choses bien. Alors qu'en game, tu feras pas la même chose. Là, au moins, j'ai vu tout ce que tu sais faire en même temps quand t'es un petit peu paniqué de la situation. Et ça, je le comprends et je le dis tout le temps. Hein. Je le sais, je le prends en compte. T'inquiète pas. Donc, tu peux aller en entraînement contre les bots et on va regarder ça ensemble. C'est fait exprès, c'est voulu. Et je le sais. Ouais, c'est peut-être un peu méchant au début, c'est peut-être un peu méchant de faire ça. Mais c'est pour votre bien parce que au moins je sais qu'est-ce que vous faites quand vous paniquez. En vrai, ça paraît logique en plus, comment tu le dis. Ah oui. Ok. On va regarder 2-3 choses avant de commencer. Paramètres graphiques. Bon, vu que tu joues en 4 tiers, j'ai l'impression quand même que tu mets quand même ton jeu en qualité élevée. Donc fais voir vidéo, ok, full screen. Et t'as le jeu vraiment presque au max de chez Max. Okay. T'as tout en high. T'es en 4 tiers, donc tu auras peut-être moins d'input là quand même, mais vu que t'es tout en high, faut faire attention. Je te conseille de tout mettre en low quand même. Tout en low. En low. x4 tu peux mettre en non. Le MSA, voilà, tu peux mettre non. x16 tu peux mettre x1. En fait tu mets vraiment tout au minimum quoi. Ok. Là, je teste ça va te permettre ça en off aussi, ouais, tout off. Premier off, dernier off. Et fais voir général. Après c'est des comme je dis à chaque fois, hein, c'est minime, mais c'est pour optimiser au maximum et des fois ça peut ne pas forcément rentrer en compte. Okay. Toi Nvidia Reflex Low Latency, tu peux mettre on plus boost aussi. C'est où ça? Tout en bas, pardon. Ah, okay. Le dernier. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres, le paramètre idéal pour que ça puisse marcher. Okay. Au mieux. Après, c'est très minime, comme je te dis. Hein. Tu vas gagner peut-être un duel sur 200, sur 150, 200. Okay. Et voilà, c'est rien, mais c'est bien quand même de le faire et de laisser comme ça. Là, ça paraît plus clair. Hein. Ok. C'est un peu mieux. Après, peut-être que les ennemis, du coup, tu vas pas être habitué. Si tu veux que les ennemis soient un peu plus en surbrillance, il faudra que tu mettes du coup ben, anti-aliasing et anisotropique. Que tu mettes en x2 les deux ou x4 les deux. Ok.
Mais en tout cas, déjà comme ça, bah, ça voilà, c'est le mieux à faire. Combien t'as de DPI sur ta souris, je crois. Je crois. Ok, 1002 pour 02. Ok, bon, on va aller regarder tes trucs. Je vais juste te dire du coup ce que j'ai vu dans ta game. Ouais. Alors, j'ai commencé par écrire et on le voit en direct. Sors trop le couteau. C'est-à-dire que tu sors trop ton couteau. Alors, Ça, je le fais en plus, hein. c'est un mauvais réflexe parce que, ok, tu peux le faire, hein, il est beau ton couteau, hein, tu peux le faire. Hein, mais le fait d'avoir ce réflexe-là, ça va te paniquer en fait. Parce que tu vas vouloir appuyer vite sur ta touche, flexer un peu avec ton couteau. Mais ça va te faire perdre du temps et surtout te faire penser à autre chose alors que tu ne devrais pas penser à ça à ce moment-là. Ok. Donc, à éviter. Donc, ça, tout le long de tes games, tout le long de ton deathmatch, je vais te le dire, arrête de sortir le couteau. Du coup, au moins, tu auras ma petite voix dans ta tête tout le temps pour que tu évites de le faire. J'ai l'impression quand même que du coup, tu as cette sensi qui est un peu trop haute pour toi. Ok. Parce que du coup, vu que tu es quelqu'un qui doit justement, ben, tu as ce réflexe de sortir d'un couteau, donc tu as le réflexe d'être la personne qui est un petit peu hyperactif à vouloir jouer vite, rapide. Tu as besoin de faire beaucoup de mouvements pour jouer. Du coup, ta sensi, elle est trop rapide par rapport à ça et du coup, tu n'arrives pas à être bien précis. Sachant que, vu que ta sensi est rapide, ça va te précipiter. Tu vas te précipiter, tu ne vas pas contrôler le recul de tes balles parce que ton crosshair placement ne va pas être bien placé. Et ça va faire que ton duel, il va être ben, pas catastrophique, mais presque. Tu vas quasiment Ok. pas souvent le gagner. Parce que du coup, ton crosshair placement, tu es sur le corps. Quand tu vas faire des bursts de 2 balles, tes balles vont monter vers le haut. Du coup, tu ne toucheras pas la tête parce que tu ne feras pas de contrôle du recul de ton arme. Et tu vas être précipité parce que ta sensi est trop haute. Donc tout ça se rejoint. Après, j'ai dit que tu paniquais beaucoup, mais c'était à cause du live, et ça, je le sais. Et que tu as tendance à te viser trop le corps. Donc c'est parfait. On a tout dit, on a tout énuméré. Maintenant, on va passer aux exercices pour arriver à recentrer tout ça. Du coup, la sensi, je la baisse un peu. Pour l'instant, tu vas me faire un tracking sur un bot. On va voir comment tu gères avec cette sensibilité. Est-ce que tu sais ce qu'est un tracking? Non, dis-moi. Alors, tu vas avancer. Tu vas aller sur le bot qui est tout à gauche là-bas, là. Voilà. Ah, te mets pas trop près de lui. Recule un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ok, nickel. Là, maintenant, tu vas devoir tourner à gauche et tourner à droite en laissant ton viseur sur sa tête. Ok. Allez, fais-le pendant un petit moment pour que je puisse bien analyser comment ça se passe. N'hésite pas à bien mettre ton viseur sur sa tête, hein, sur son œil, hein. Pas que tu sois trop bas parce que tu as tendance à te baisser un En petit fait, peu le j'arrive pas à le viseur. laisser pile dessus si je bouge. Et après, c'est de l'entraînement, hein. Ouais. Et c'est aussi parce que ta sensi n'est pas adaptée à toi. Ok. On continue. C'est pour ça que je te laisse apprendre le mouvement pour que je puisse voir vraiment comment tu gères ça. Donc on voit quand même que de temps en temps, bah, tu es un petit peu à l'extérieur du bot. Du coup, c'est que ta sensi est un peu trop rapide. Ok, on va aller baisser un petit peu ta sensi, on va refaire l'exercice. Descends de 2. Si t'es sûr d'être à 1002, descends de 2. Allez, 18. 18 à 1002. Ouais, vas-y, essaye. Hein. Réfléchis juste parce que 1002, c'est pas commun comme DPI. Prends le Vandal pour le faire. Ok, c'est un petit peu mieux, tu trembles un petit peu moins. T'as quand même encore tendance à y aller un peu. On va rebaisser de 2. Tac, tac. 16 002, mais je ne saurais pas savoir à quoi ça correspond en termes de 800 DPI. Attends, continue, je vais regarder. En fait, je suis. Genre, il y a le premier cran sur ma souris, c'est rouge. Je fais une riser. Le premier cran, c'est rouge, je crois que c'est 800. Et je crois que c'est le second cran. Après, je sais pas si c'est 1002 ou 1006. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que du coup on sait pas.
Si t'as 1006, Après, on peut le voir sur l'application ou pas? tu peux aller sur l'appli et regarder, ouais. Peux checker ça directement sur l'appli. Lucius, ça va le chat, vous allez bien? 1200, c'est pas commun, non? En général, on est aux alentours de 400, 800 ou 1600. Ah, j'ai vu ça. T'as 800? Ouais. Je fais Ok. étape 2, il y a marqué 800. Étape 1, c'est 400. Et t'es sûr que c'est bien coché Ah ouais. sur le 800, hein? Ok, bah vas-y, reviens du coup. Là, du coup, on est à combien? On est à 18, à 800? 16 là du coup. 16? Ouais, 16. Ça me semble bizarre parce que t'es vraiment bas au final du coup. Et essaye de faire un 180 direct si t'arrives à faire un 180. Et là, le 180, tu le fais comment du coup? Mais je suis atterri au fond de mon bureau. Mais tu mets un à-coup direct avec ton bras entier ou tu fais au Ouais, poignet, avec genre là? mon bras entier. Ouais. Bah, tac, tac, tu reviens derrière, ok. Mais Poignée, je fais juste ça. je trouve que quand même la distance, elle est grande pour 800 DPI et 16. Le truc, c'est que ouais, si tu me dis 800. Vas-y, continue à faire un tracking, on va voir, hein. Et là, le tracking, tu le fais au poignet. Oui. Ok, vas-y, continue. Après, je tremble un peu, donc je sais pas si. Bon, bah ça, je prends pas en compte. Je prends juste en compte le fait que tu sois bien précis. 16, ça me paraît hyper bas du coup pour 800 DPI. Mais on va laisser comme ça. On va regarder quand même les autres exercices, voir si tu arrives à les gérer. Mais je doute sur 800. Après, je sais pas, hein. Ben, y a 5 cases et c'est la seule en Mais verte. c'est coché qui est au-dessus, Ouais. ok. Ça doit être ça, hein. Ok, bah ok. Tac, C'est tac. que ça te correspond d'avoir une sensibilité beaucoup plus basse au final, on va voir. Hein. Ok, donc là tu vas devoir tuer le bot qui est le plus à droite, après celui qui est le plus à gauche, toujours en faisant des strafes et toujours des bursts de 2 balles. Ok. Donc, lui là-bas, tac tac, tu recules. Tu strafes et tu tues l'autre. Ouais, nickel. Toujours des bursts de 2 balles, pas qu'une. Un burst, c'est. Ok, un burst, c'est pas deux one tap, c'est vraiment directement, faut que tu restes appuyé dessus. Ok, ça marche. Ouais, nickel. Par contre, le son qui grésille, je sais pas si c'est toi ou. Je crois que c'est Discord qui a bugué. Si tu peux me le relancer Ouais. rapidement, et mets-toi en 1080 parce que ça sert à rien d'être aussi haut. Yo Mammouth, ça va et toi? Ça va le chat? Ok. Oh, le Discord il me fait bugger le son. C'est mieux. C'est chiant. Ok, c'est nickel, ouais, parfait. Ok, fais attention quand tu pars à droite et à gauche, t'as tendance à descendre ton viseur. Ok. Donc essaye, voilà, refais l'exercice en pensant qu'il faut que tu sois toujours aligné avec les têtes des ennemis. Là, tu es en train de redescendre encore quand tu tournes. Je sais pas si tu le remarques. Hop, là, tu es encore descendu, là, tu redescends. En fait, tu fais des arcs de cercle. Ouais. C'est-à-dire que quand tu passes d'un bot à l'autre, t'as tendance à pas, voilà, pas faire un trait bien droit, quoi. Là, je fais ça. Là. Ouais. Ok. Bon, ça, c'est un problème. Let's go! Beaucoup de joueurs ont, même moi des fois je le fais. Mais non, Bibo, incroyable. Merci pour Seb. Ça va, ça se passe, Bibo. Voilà, c'est bon. Pas mal. C'est pas trop lent pour toi niveau sensibilité? Tu tires pas trop sur ton poignet, Je ça touche va mon ou? clavier de temps en temps, mais après. Ouais. Non, en soi, Ouais, je sais t'arrives pas. quand même à J'ai gérer. Ok. l'impression que je suis plus fluide. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, moi je vois que t'es bien. Après, ça me fait juste bizarre de dire 16 800 DPI. Ouais, C'est tout. bah après, je sais pas Mais si. au vu de ce qu'on voit, c'est mieux. Donc on va pas regarder les chiffres, on va regarder ce que tu fais. Et ce que Ok. tu fais, ça a l'air mieux. C'est pour ça que je te le demande, parce que vu que j'ai pas non plus les infos,
Oh, c'est bizarre en tout cas. Mais du coup, c'est bien. Du coup, c'est bien. Ok. T'arrives à faire ça fluidement, c'est bien. Et bien, on va passer à l'exercice du coup des bottes en médium. Donc là, c'est bon, t'es déjà dessus. Nickel. Quand tu vas faire start, le bot va apparaître et c'est à ce moment-là que tu vas devoir faire ce qu'on vient de faire sur les bots. Donc un strafe et un burst de 2 balles. Dès que je le vois, le bot, c'est ça? Dès que tu vois apparaître, ouais, pas Ok. avant. Ok, Et let's ça go, marche. vas-y. Allez, nickel, burst de 2 balles, bien recentré. Ok, j'aimerais tester un truc, changer ton viseur. Fais crosshair, fais primaire, primary. C'est où ça? Ah, okay. Général, primary, voilà. Va dans les lignes intérieures, donc inner line, un petit peu plus bas. Et à la place de inner line offset, tu vas mettre 2 au lieu de 1. C'est où ça? Alors tu as 1, 2, 1, 1 et le quatrième, le trou, enfin le quatrième, voilà. Là? Le 1, ouais, tu mets 2. Voilà, et là tu vas jouer comme ça. Ok, Et tu vas refaire chaud. les bottes, vas-y. Ok, je t'avais changé le crosshair parce que j'ai l'impression que tu prends trop de temps à vouloir viser parce qu'il était tout petit, il était plus petit. Et du coup, bah, Ok. tu ratais beaucoup plus tes cibles. Là, tu arrives mieux à les gérer parce que tu arrives à mieux aller plus vite dessus. Ok. Je vais juste, on va juste changer un truc. Tu vas me passer à 17 de sensi et on va refaire l'exercice. Vas-y. Merci Capelotti, c'est gentil. Là, je suis en coaching. Malheureusement, je pourrais pas trop voir tes messages parce que du coup, je regarde de temps en temps vu que je me concentre sur le coaching. Et là, je parle et du coup, ben voilà, je lui fais foirer son exercice. Je le déconcentre. Allez, c'est pas gros, quoi. Ok, c'est mieux. La sensi est mieux parce que tu arrives mieux à micro-ajuster quand tu es un petit peu plus loin en faisant des flicks, donc c'est pas mal. Ok. On fait le dernier coup, après on fait un autre exercice. Yo Clem, ça va? Tu es gold? Oui. Ok. Ce qu'il faut que tu arrives à penser, c'est que pendant ton déplacement, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment un laps de temps très petit, et à ce moment-là, il faut que tu déplaces ta souris et que tu sois vraiment centré sur la tête de l'ennemi pendant le déplacement. C'est pour ça que le tracking est hyper important, c'est que pendant le déplacement, il faut que tu arrives sur la tête de l'ennemi. Okay.
Donc ça c'est bien. On va faire un dernier exercice. Mets les bots en 50. Élimination 50. Installer Twitch juste pour moi. C'est beau ça en vrai. Fais start. Et va te placer tout à gauche de la map. Ou à droite comme tu veux. Et là tu vas devoir tuer les bots du coup sans bouger pour l'instant. Juste en faisant des ajustements avec ta souris. Et le plus rapidement possible si tu peux. Ok, ça marche. Allez, essaye de faire toujours des bursts de 2 balles. Les one tap, ça va. Non, ça va te faire paniquer. Attention, ton viseur descend petit à petit et tu le vois. Hein, quand les bots sont un petit peu plus loin, t'as tendance à viser le corps. Et du coup, à pas toucher le bot. Fais-moi des bursts sur le mur pour que je puisse voir les trous. Des quoi, tu veux que je fasse quoi là? Des bursts de 2 balles, pardon. Ok. Et là, des endroits différents pour que je puisse voir un petit peu tous les trous qu'il va y avoir. Donc, ce qui va être important, c'est de contrôler ce recul pour que tes 2 balles soient toujours au même endroit. Ok. La première et la deuxième sont au bon endroit. Pour arriver à faire ça, il faut que tu descendes très légèrement ta souris vers le bas pour pouvoir contrôler ce recul. Voilà, c'est nickel. C'est parfait, c'est bien. Il faut que tu arrives à faire tout le temps ça. Ok. Quand tu vas te battre en duel, quand tu vas faire tout ce que tu veux, il faut tout le temps que tu descendes un petit peu ta souris vers le bas pour pouvoir arriver à mettre tes 2 balles précisément parfait au niveau de la tête. C'est bien. Ok. T'as compris directement comment on fait. Ouais. Tu vas m'en refaire un dernier 50. Alors attends. Okay. Hein. Il va falloir que tu gères plus toi ta précision. Tu vas prendre un ghost. Tu vas faire start. Tu vas partir à gauche encore. Et tu vas devoir du coup tuer les bots, mais cette fois-ci en strafant, c'est-à-dire que tu tires une première fois dans la tête et après une deuxième fois en strafant de l'autre côté. Voilà, nickel. Et pense toujours être en mouvement à tirer. Ça va t'entraîner à être précis et à tirer pile dans la tête et arrêter de tirer dans le corps. Parce que tu as tendance à trop tirer en bas et pas savoir où est placée la tête. Donc continue comme ça. Ça va dépendre de la situation M1604. Ça va dépendre. En général, les micro-strafes, faut pas les faire, les tout petits comme ça, tac 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 tac, faut éviter. Faire comme ça. Continue, continue, pardon, je te parle pas à toi. Ah, okay. Non, okay, non, pardon, bon. Pardon. J'aurais dû me mute, pardon, excuse-moi. Mais voilà. Vas-y, continue, continue ton exercice, je te regarde de toute façon aussi. Oui. Il y a des exercices qu'il faudra que tu fasses sans arrêt. Hein, tout ce que je t'ai montré là, que tu les fasses tous les jours. Ça va te permettre aussi d'être automatique dans les mouvements. Hein. Tu sais que quand tu vas faire un clic, tu vas devoir te décaler à droite, te décaler à gauche, tout le temps être en mouvement. Donc c'est assez, s'il est parfait pour que tu l'apprennes et que tu le fasses tout le temps.
Putain, j'ai touché mon clavier. Ok. Alors on est pas mal, on a essayé de te recentrer un petit peu pour que tu deviennes un peu plus précis. Mmh. On a changé pas mal de choses. On va aller faire un deathmatch maintenant pour qu'on puisse voir du coup ben, comment ça t'a fait évoluer de faire ces petits exercices. Okay. Sachant qu'il faudra que tu continues toi-même après derrière à... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allez, continue à les faire. Hein. Ça va pas être automatique directement. On va voir ça. Merci Hippo. Merci, merci. C'est gentil. Me faire massacrer. Ah, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne mentalité ça, Hippo. Match found. Match fair. Bon, ce deathmatch, je le fais avec toi. Ouais. Enfin, je le fais avec toi. Je reste avec toi. Je te parle pour voir les situations, etc. Ouais, tu me dis, c'est pas bien ce que t'as fait. Là, c'est... C'est ça. C'est ça, okay. C'est ça. Oui, Wasabi, c'est sur Discord. C'est pour ça. Deathmatch. Warm up. Allez, let's go. Donc là, on a changé ta sensibilité, on a changé un petit peu ton viseur. On a changé ta manière de te déplacer. Ouais, nickel, c'est bien. Continue comme ça. Pense que t'es en entraînement contre les bots aussi, c'est pareil. Les ennemis font la même chose. Dès que tu le vois, un ennemi, tu fais pareil, tu strafes, tu burst. Ouais, pense bien à te mettre ton viseur sur sa tête à chaque fois. Et pas être concentré sur le bas. Très bien, bon cross surpassement là, c'est nickel. Nice, fais gaffe, le phoenix c'était trop bas. Hein. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est bien, si tu t'as remarqué, c'est nickel. C'est trop dur à les toucher quand ils font ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as pas contrôlé le recul de tes balles. Du coup, tu tirais vers le bas, et forcément, tu chopais pas sa tête. Tu contrôles pas ton recul. Et du coup, t'es précipité aussi. Ouais, juste mes joueurs. Nice shot. Nickel. Ouais, bien, tu t'es bien placé pour éviter le duel, c'est bien. Il va aller retourner du coup à l'ascension. Ouais, ben, à faire un 180, ouais, juste. Ouais. Après, en soi, je sens que, genre, au niveau du tracking, c'est beaucoup mieux. Ouais, pareil, il va être bien plus précis. Hein. Il va falloir que t'apprennes, du coup, c'est de faire des 180. De faire des 180 vraiment avec ton bras entier. Après, il te faut plus d'espace. Peut-être okay, sur ton bureau. Dommage, là tu t'étais mal placé, t'as pas isolé tes duels, t'es resté caché. Nickel. Si on te précipite pas trop quand tu vois quelqu'un de dos, hein. T'as eu un bon réflexe, mais fais attention. Nice shot. Attention, tu te précipites et tu tires dans le corps. Ouais, purée. Nice. Dommage, c'était bien. Ah, je le mettais, je jurais. Carlito. Attention, t'étais un petit peu précipité, t'as quand même eu un bon réflexe. Ah, j'ai oublié de faire le débat. Mal choisi ton placement. Oh, dommage. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit, mon concert, moi. Il était bien, tu pouvais pas savoir exactement ce qu'il allait faire le gecko. Hein. C'est juste que dès que tu t'es déplacé, ton viseur est tombé vers le bas.
Ça fait que tu as vu trop de temps pour te replacer. Je conseille pas d'avoir une sensée à 1800 DPI. Ah, j'arrive pas à contrôler, c'est trop dur. Parce que vu qu'avec. En fait, je finis au bout du bureau et c'est trop dur de baisser le. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu joues, quand tu te replaces jamais au milieu de, ta genre, de ton tapis. Genre quand je suis là, eh ben, ouais. J'ai pas le temps de me remettre comme ça, qu'il y a déjà un mec, mettons, mais c'est trop dur de baisser, tu vois. Et c'est. En fait, c'est que vraiment que t'as une sensibilité hyper basse et que toi tu joues pas avec ton poignet quand tu joues vraiment avec ta main entière, ton bras entier. Bah ouais, tu déplaces ton tu déplaces ta souris sur ton tapis de souris sans que tu sois au milieu. Ouais. Ok, mais c'est peut-être pour ça du coup en fait t'as vraiment une sensibilité qui est très lente, mais vu que tu joues avec ta main entière sur le tapis de souris, bah tu vas peut-être des fois manquer de précision parce que t'es pas au milieu de ton tapis de souris. En tout cas, peut-être qu'elle est un peu lente, faudra peut-être que tu remontes un petit peu par rapport à ça. Mais en tout cas, pas plus parce que t'es quand même bien précis avec. Hein. Ok. Je pense même, reste à 17 et entraîne-toi justement. Ok. Du coup, après, si tu sens que ça te tire. En vrai, pour être précis, le mieux c'est jouer qu'avec le poignet. C'est-à-dire que tu vas de droite à gauche en 90 degrés avec ton poignet. Okay. Le reste du temps, tu fais des flick shots avec ta main entière. Quoi. Enfin, des flick shots. Des 180. Ok. Ouais, c'est une manière de jeu propre à soi-même. Hein. Mais en général, si tu joues avec ton bras et que t'es, comme tu dis, t'es perdu sur le côté de ta tapis de souris et que tu peux plus faire autre chose, c'est parce que tu remets pas ton tapis, ta main au milieu du tapis, quoi. Ah dommage, t'es bête, belle décale. T'en as tué un, t'as capté qu'il fallait que tu fasses un strap de l'autre côté. Ouais, panique pas là, tu vois, là t'as tiré que dans le corps et t'as pas contrôlé le recul de tes balles. Ce qui fait que t'as mis une tête, mais c'était pas voulu quoi. Ouais, c'était ok. Ok, bon, c'était mieux que tout à l'heure. Il y a quand même encore un petit peu de précipitation, encore un petit peu de stress, c'est normal. Quand je serai plus avec toi, du coup, bah tu vas réussir à enlever ce stress et à être bien plus précis dans tes trucs. Ouais. On va aller faire une game. Ça va être la partie la plus difficile. Ok. Parce que du coup, il va falloir que tu mettes en place tout ce que je t'ai appris. Et surtout que tu vas pas avoir la même sensi, ni les mêmes viseurs. Bon, le viseur, c'est pas très grave. La sensi est différente. Et que tu t'adaptes à tout ça. Je vais être plus à l'aise, comme tu m'as mis le truc, qu'avant, quoi. Tu vas être plus à l'aise parce que tu vas être plus précis. Tu vas être moins précipité à faire les choses. 3 206, c'est énorme quand t'as 800 DPI. Après, 17, quoi, comme je te dis, c'est très bas. Ouais. Après ça fait du changement, c'est pour ça que c'est... Mais vu que tu joues avec ta main entière, enfin ton bras, tu joues avec ton bras en fait. Ouais. Du coup tu te déplaces loin. Ok, on va quand même tester. Le crosshair, bah, faudra que tu le donnes après le coaching en copier-coller. Je pourrais pas te le donner moi. Qui, moi? Oui. Ah, je peux te... Il y a quelqu'un qui veut le crosshair. Quoi, c'est Edit? Non, c'est quoi déjà? Là, ouais. Tu l'envoies dans le chat? Dans le chat sur Twitch, ouais. Ah, sur Twitch? Oh, mais c'est pas là. Ça va, Alexis? Tu m'imposes un perso à jouer ou je joue qui je veux jouer? Ah, tu fais ce que tu veux, non, je t'impose rien. Ok, ok. Hello! Wesh. Je dirais juste de pas fil pour ta team si jamais tu sais pas jouer l'agent quoi. Ok. Poland. Poland, oh nice. Thank you bro. Marine le pentakill. Ah, from Italy. Grazie pasta, fifi. Wow, that's racist dude. Sorry bro. Tarpen. No problem. Hein? Attends, je l'ai mis, je t'entends même pas. Il dit que c'est Tarpenroll ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Ouais. Mais bon, ça semble d'être des joueurs que si bah, tu perds le premier round, bah, ils vont FF parce qu'ils vont faire que parler. Ouais, c'est ça. Donc ce que tu fais dans un sens, c'est bien de les mutes. Après, voilà, quand même, essaye de regarder le premier round, comment ça se passe. Si tu vois qu'ils sont trop toxiques, qu'ils parlent trop, qu'ils disent que de la merde, tu remutes et tu te concentres sur toi.
Mais après, je suis un mec, je tilte assez facilement. Du coup, il suffit qu'il fasse des petits trucs et tout. Et après, je suis tilté, tu sais, pour. Du coup, des fois, je préfère Ok. mute au lieu de. Enfin, après, je peux Ben démute. c'est bien. Hein. Je vais te dire un truc par rapport à ce que j'ai fait moi. Bon, c'est pas non plus une bonne chose, mais je dis juste que ça existe et que ça marche. Je suis passé IMO 2 en solo queue. Donc, j'ai joué tout seul pour passer IMO 2 jusque-là. Hein. Et toutes mes games, j'ai muté tout le monde tout le temps. Ok. Non, parce que Tout le tu temps, tout le sais temps. bien lire le Et radar au bon moment, etc. ouais, je communiquais avec personne. J'ai jamais appris à communiquer Ok. jusqu'à passer IMO 2. Après, des fois, je préfère mieux pour être plus tranquille que. Donc dans un sens, Enfin, c'est pas bien, hein. Ça a été très toxique de ma part de rien dire aux alliés. Hein. Mais j'ai voulu me concentrer sur moi-même et réfléchir par moi-même et faire les choses par moi-même pour arriver à monter le plus possible. Donc c'est pas bon dans un sens parce que du coup, bah, au début, ça m'a un peu tué. Mais après, j'ai appris à le faire et c'était mieux, mais au Ok. début. Je dis pour toi et pour les personnes qui écoutent aussi que c'est possible de monter le plus haut possible. En solo queue, tu peux même aller plus haut, hein. Mais j'ai réussi à être IMO 2 quand même en solo queue sans communiquer jamais, en disant jamais aucune information et en tout le temps en mutant tout le monde. Malgré le fait que ce soit pas bon. Ça reste toxique, du coup j'ai dû être toxique pour pas mal de joueurs. Mais des fois, vaut mieux être toxique pour ne pas te casser le mental non plus, comme tu viens de le faire, Ouais. hein. Si tu vois que tu vas cheat, vaut mieux pas que tu cheat, que tu te concentres sur toi-même. Passe ta game tranquille. Mais justement, du coup, je te conseillerais quand même si tu les amutes, eux, ils t'entendent, je te conseillerais quand Là, même de donner. je les ai 10 minutes là. Tu les Après, amutes, ouais. Je conseillerais on quand même de verra donner comment les il. informations nécessaires, pas plus. Genre, si tu vois un ennemi, tu dis qu'il est là. Si tu vois. Tu vois, si tu vois là, voilà. Live jusqu'à quand? Je suis en live jusqu'à quand? Je sais pas. Ça va dépendre de mon état de fatigue. Je peux durer jusqu'à 23 heures. Je peux arrêter très bien après le coaching. Joue avec la souris en travers, comme avec le clavier pour certains. Moi ouais, j'ai le En clavier en travers. travers mais j'ai pas la souris. Moi, ma souris, C'est-à-dire elle la est pas, souris en travers. elle est pas droite sur le tapis de souris, si c'est ça que tu veux dire. Moi, ma souris, quand je joue. Mais pardon. Plus grand. Ma souris, elle est pas droite comme ça sur le tapis de souris. Moi, quand je joue, elle est vraiment comme ça. Je peux montrer là au niveau de ma main, mais tu vois, ma souris là, pour moi, elle est droite. Et je joue comme ça, tac, tac. Elle est jamais comme ça. Et par contre, mon clavier, il est droit. Je vais faire un live parce qu'on a encore le son qui grésille. Hein. Ah mince, ok. Si c'est ma faute ou si c'est le Discord. Ok, nickel. C'est mieux. C'est bon. Parfait, parfait. Après, ça dépend, hein. Ça change rien. Hein. Moi, mon clavier, il est droit. Il y en a plein qui le mettent de travers. Moi, il est droit, mais c'est ma souris qui est peut-être un petit peu décalée vers la gauche. Genre. Après, ça dépend pour que tu sois à l'aise au niveau de. Moi, ça C'est assez dépend bizarre toujours. d'avoir ce crosshair, j'ai l'impression. Alors, fais attention de loin. Celui-là, il est un petit peu perturbant parce qu'il est un petit peu plus ouvert par rapport à celui que tu avais. Donc, fais attention. Mais tu t'es entraîné pour. Ok, t'as pris un kill, c'est bien, t'aurais dû mettre ton dash, tu l'avais encore un peu. Ah, j'hésitais, après j'ai vu la risque qui a piqué de l'autre côté donc. Donc, première petite erreur, tu te prends quand même une balle de ta race, c'est ta race qui t'a touché au deagle de loin parce que t'as piqué. En fait, j'étais T'as sur les j'étais sur les piqué deux lignes quoi, j'étais ça. Ouais, ici, ouais, mais j'avais pu me tirer de là et de là quoi. en premier. En premier, t'as pique sans vouloir push, c'est-à-dire que t'as juste pris une ligne et du coup, forcément, les ennemis vont te pré-shot là où tu es parce que c'est obvious que tu sois là. Ok. Donc, soit tu push les agresses pour te mettre dans une autre ligne que celle-là parce qu'ils la connaissent, forcément. Soit tu restes caché sur site et tu les attends derrière pour les surprendre toi. T'es en défense, t'es pas en attaque. Mais en défense, on peut aussi très bien push. Tacos. Il faut le. Yes. Ah, Il faut le super vouloir. bro. Tacos, le tacos. T'es sur un serveur Paris? Ouais. Je crois, ouais. Si.
One B. On regarde, ton radar un petit peu. C'est bon. Dommage. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, pourtant j'ai check. Bien tenté, Kev. Une situation comme ça, tu sais que ils sont encore 5 en vie. Et en gold, ce qu'ils vont faire absolument 100% du temps pratiquement, c'est qu'ils vont venir te chercher. Donc okay. Pense bien à regarder partout et n'avance pas trop vite non plus. Parce que c'est eux qui vont venir te voir et qui vont faire les erreurs. Après j'ai hésité à partir avec l'arena pour du coup qu'on soit deux. Mais t'aurais pu aussi, après si... t'es en écho round. Tranquille, juste prends tes frags parce qu'ils vont venir te voir quoi. Ok. Dans ce cas là n'essaye pas de vouloir gagner le round. Essaye juste de vouloir faire les derniers kills. Et dès que tu vois que c'est peut-être possible, après t'avances. Ok. Mais tu sais que t'avais pas l'avantage, faut attendre les kills quoi. Ah dommage. Tu vois ton radar. Hein. Ok. Got him. Ouais, flash. One enemy remaining. Ouais, je savais qu'elle était là, mais ils ont ping là-bas, du coup ça m'a perturbé. Si tu sais que t'as l'info dans ta tête, toi, si tu es sûr de toi, plus important que tu sois sûr de toi que les écouteurs. J'avais quand même un petit doute, mais parce que j'avais vu Cypher et. Si tu as le doute, si tu as le doute. Sur le radar, tu l'as vu, hein, t'as vu que le Cypher était parti là-haut avec Larine. Ouais. Mais après, vu que t'avais plus d'infos, c'est possible qu'elle puisse repartir aussi sans que tu la vois. Ouais, mais bon. C'est bien en tout cas, t'as bien géré avec ta team, t'as bien joué avec eux. Voilà, fais attention, pareil, là, ce positionnement, ils vont le checker aussi, hein, si t'as l'intention de... Ouais, je sais pas, je vais peut-être prendre une comme ça, il dash, je tire deux balles et je dash. Essaye. Ça va être à double tranchant. Prends-en juste un par contre. Et là-dessus, quoi. Cover going out. I know exactly where you are. Shadows. Spike planted. Last player. Dommage. Ouais, je m'attendais pas. Bonne réaction en vrai de mettre ton. La smoke. Ouais, t'as une bonne réaction de le faire, c'est bien. Mais par contre, comme tout à l'heure aussi, hein, ils viennent à peine de planter les spikes. Ouais, c'est vrai qu'on a le temps, c'est vrai qu'ils tombent. T'as un petit peu de temps quand même, t'as un petit peu de temps. Et tu sais qu'ils vont te push aussi, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais, ils ont planté et ils t'ont attaqué. Hein. Donc encore une fois, pense-y à ça et je pense qu'après, du coup, bah, tu arriveras à gérer la situation. Ouais, en tout cas, c'est bien ce que t'as fait avec ta smoke. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu attendre dans un an des... Ouais, c'est vrai. Moi, si t'arrives à voir tes erreurs déjà par rapport à ça. De toute façon, là, le coaching, il est fait pour que tu puisses voir le plus de situations possibles. Donc, tu vas faire les erreurs et tant mieux, comme ça, au moins, là, moi, je te les corrige et que tu puisses faire mieux la prochaine fois. Après, je te laisse jouer comme t'as envie de jouer. Hein. Peut-être que des fois, je te dirai de faire des choses. Comme là, par exemple, fais gaffe si t'as Reyna push en A encore, parce qu'elle a tendance à vouloir push, faut que tu l'aides aussi. Si elle le fait pas, tranquille. Hein. Ok. Depuis Italie. Je ne pas français. Sœur d'Italie, on apprend le français. Hein. Je sais. Hey. Cypher. Oh man. Ouais, c'est. Attention le B quand même. Hein. Ouais, c'est que je t'ai fait penser. Regarde ton radar. Doc.
Tchai. Last player standing. Ah, dommage. Bien joué sur le bridge. Okay. Mais après, il fallait que t'accélères beaucoup plus vite. Okay. En fait, à travers la smoke et... il faut que tu arrives à voir les situations. Tout à l'heure, par deux fois, ils étaient en supériorité, donc ils t'ont push. Mmh. Là, vous étiez en 3v3. Donc, ce qu'ils vont faire, peut-être plus logiquement, c'est attendre quelque part. Comme il a fait le bridge, il a attendu. Bon, il a quand même essayé de vouloir te pick. Mais il fallait aller quand même vite, parce que là, c'était l'occasion d'aller le plus vite possible pour... Vu qu'ils vont pas te push, vu que c'est du 3v3. C'est du... Ils vont pas venir te chercher à ce moment-là. Un peu moins, en tout cas. Sinon, ça, c'est bien quand même. Hey, là ils sont pareils, alors ils sont 5. Spike planted. Last player standing. Party's over. My ult's ready. Oh, oh non, quel dommage. Je touche la tête, Ah ouais, tu tues les deux là, t'as le round, il est pour toi et tu fais un ace clutch. Hein. C'est bon, tu commences à comprendre un petit peu comment ça peut se passer. Après, avec un peu moins de pression, je pense que tu arriveras à faire les choses convenablement. Après, ouais, c'est bien, c'est possible. Ah, je sais, je te crois, je sais. C'est pour ça que là, je suis là pour juste te dire quand même les bonnes choses. Là, ça, ce que t'as fait, voilà, ce que je t'ai dit, hein, sans stress, tu le clutch le truc. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ce que t'as fait, c'est bien. T'as vu, tu prends ton temps, ils vont te chercher. Hein. C'est ouais, dans un elo où les gens, ils sont 5 ici, ils vont venir te chasser, c'est sûr. Ils vont trop vouloir jouer le kill. T'avais un bon crosshair passement bien passé. Dommage le reste. Petite pression, c'est normal. Ça va, c'est très bien. Alors, attention comment tu te positionnes quand même. T'as une ligne qui vont te checker, donc fais attention. Hein. Surprends-les. Oh non, frère. C'est mon main non qui m'a pas. C'est ton main qui t'a flash. Ouais. Après je servis à rien. Dommage mais ouais. En fait, dans l'arène à flash, il fallait pas que tu te fasses voir. Il savait pas que t'étais là. En fait, faut que t'arrives à avoir la surprise. Faut que t'arrives à surprendre les autres. Enfin, comme le Cypher, tu vois. Là, il a surpris parce qu'il savait pas que t'étais là. Il a fait un kill gratuit. Il faut que tu fasses des kills gratuits. Le problème que t'as eu, que pourquoi t'es mort, c'est parce que l'arène t'a vu. Nice. Parce que t'as tiré. Il a entendu. Ah oh, dommage. Nice. BG, hein, bon lui. Hein. Ouais, il a fait bon. Un truc de fou. Dommage, il a pas eu le temps, mais. Bien joué. Marine Le Pen. Marine de Pentakill. Que vidard. Alors, je joue beaucoup moins qu'avant et je gagne beaucoup plus. Je suis beaucoup moins haut. Dans le score qu'avant. Tant que tu es déterminant dans la game et que c'est grâce à toi que les rounds sont gagnés, c'est le plus important. Une personne qui est MVP tout le temps, c'est pas forcément une personne qui. Est-ce que tu penses que je garde juste mon ult et je prends un shérif ou je prends pas un shérif? Moi, quand j'ai jet, je prends un shérif, ouais, si je sais que j'ai de la thune pour après. Ce que je fais d'habitude, mais. Petit shérif au cas où. Si t'as pas d'armes après, c'est fanant. Je crois que tu cours à la même vitesse avec tes kunai et avec ton cut, donc t'as pas besoin de le sortir. Ok. Bon, ça te nique pas ton mauvais réflexe de sortir un couteau. Après, je suis pas sûr de ça parce que je joue très peu jet, mais je crois que oui. Allez, là tu les vois sur ton radar les trois. Hein. Dommage. C'est bien d'avoir voulu attendre tes mates pour faire quelque chose. C'est moins bien d'être resté du coup là où t'étais parce que t'étais entre deux ou trois angles différents pour qu'on puisse te tuer. T'avais un mauvais positionnement.
Et le truc c'est que t'avais ton dash et ton ult. Donc t'aurais dû agresser tout seul. Ok. Will you take it my up yet? Après j'hésitais parce que vu que j'avais le dash, ça a sauté par-dessus la smoke et. Vu que j'avais le dash, je me suis peut-être fait en prendre rien et redash après, mais je sais pas. Comme je t'ai dit, c'est bien de vouloir attendre tes mates pour faire quelque chose, sauf que là en ayant jet avec l'ultime et avec une dash activée, il vaut mieux que t'ailles de l'avant, essayer de faire un frag pour aider ta team, toi en premier quoi. Te donner pour eux en fait. Il y a des moments où il faut voir que tu joues comme ça. Parce que t'avais un dash d'activer et que t'avais tes kunai pour faire la différence. Si t'avais un vandal et que t'avais plus de dash, là oui tu les attends pour essayer de faire quelque chose ensemble. Ok, très bien. Ok, merci Ares. Pas sûr vu que je joue pas souvent. Enfin je joue jet beaucoup parce que j'aime beaucoup. Pas beaucoup d'heures non plus quoi. Ok, ça va arriver en A. Attention à ton placement. Attention à la flash de Breach aussi. Tu as mon dash trop tôt. Un peu trop tôt. Essaye d'écouter les steps avant de placer. Mais Bibi. En partie B, je pense. Ouais. Bibi. Regarde bien aussi les ultimes des ennemis. Spike planted. Oh, mais c'était sûr qu'il y en avait un là en plus. Pareil que tout à l'heure, ils sont encore 5 en vie. Ils vont venir le plus possible te chercher. Ah, c'est vrai que j'avais même plus pensé. When is I? Pay attention. Ok, bon, c'est pas bien grave. Pense bien à ça, sois pas naïf. Hein. Encore une fois. J'ai même plus pensé, je te le répète pour que tu puisses le repenser après plus tard tout seul. Je vais faire que te le dire quand tu fais l'erreur, de toute façon, comme ça tu le sais. I can buy. Demain en live, oui, le matin. You're the best. Matin. 8h, 8h, midi, 8, midi demain. Mais je laverai pas l'après-midi. Safer A. Say. Enemies are A. Attention, s'il casse pas la porte. Ça. Spike planted. Blocking sight. Mieux c'est raise. On va aller chasser la raise le plus vite possible à la limite. Ok, tu as les infos des deux. Je vais aller. Dommage. Le problème c'est que là elle va utiliser l'ult, la raise. Elle va gagner en round. Même pas. Y'a plein d'accords. Ok, bien tenté quand même. Attention, t'étais quand même un peu précipité. T'avais les infos des deux, hein? Ouais. Après, c'est normal hein, que tu fasses beaucoup d'erreurs. Je sais, juste je te le dis pour que plus tard, après, t'arrives à gérer tout ça. Hein. C'est normal que tu fasses beaucoup d'erreurs. C'est juste normal. Okay. Coaching demain, ça m'a, ouais. On aurait deux. On peut pas wasabi. Oh, c'est pas horrible, ça va, c'est bien. Carrément, c'est fou. Je comprends ce qui se passe. Si. Après, n'aie pas peur d'oser push, hein. Tu l'as pas fait du tout depuis tout à l'heure en défense, t'aurais pu te faire plaisir aussi, hein. ça existe. Hein. Ok. Oh, dommage. T'es pris le mur.
Bien tenté, c'était bien tenté. T'as eu une bonne idée de passer par là. T'aurais pu surprendre. Là je me suis avec l'ulte de Gecko, ils vont reculer et je peux essayer d'en avoir. Ouais, oh, c'était bien pensé. Ça, t'as bien pensé. Ouais. Ouais, le truc qui est dommage, c'est que il faut oser, surtout sur Lotus, se confronter à l'ennemi à push. T'as une jet en plus, t'as de quoi back dash out pour partir. T'as une arena qui peut t'aider à flash, le Gecko aussi, ouais. Le Omen aussi. Après, c'est à toi d'essayer de dire aux autres, venez m'aider, on fait ça. Et s'ils veulent pas, pas grave, tu vois. Mais... Là, tu vois comment ils ont été surpris là, dommage que toi t'as paniqué un peu. Ah, tu meurs, dommage. Vas-y, les tuer, c'est trop. Found you. I know exactly where you are. Ça va pas drôle, Omen. Ouais. Je vois la fois des duelistes. Ah, dommage. Dommage. Switching sides. So, you mix it up, double down, let's talk. Ok. Tu hésiteras pas à regarder la rediff pour revoir tout ce que t'as fait. Comme ouais, ça tu vois en temps réel tes erreurs ou aussi. Pas du tout. Elle sera sur YouTube aussi un jour ou l'autre, mais quand je okay. sais pas. Hein. Ok, ça va. Donc profite de la regarder sur Twitch, mais sur YouTube ça sera un peu long. On va faire une stunt et une aid. Hein. Aussi, ils ont un bridge et une raise. Ouais. Le A sur Lotus, faut jamais le faire en fait au premier round. Mais 90% des tutans, les gens font ça quoi. Ouais, les avantages. Là, tu peux reculer et partir, ils sont tous là. Hein. C'est mort. Ah, tacos. Tacos. Ça tu sauras. Quand tu joues sur Lotus, ne va jamais à. Premier round, n'y va jamais. Okay. Ouais, jamais. Ça sert à rien. Surtout quand t'as un bridge, une raison face, c'est inutile. Ils vont obliger push. Hein. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à vous, c'est que ils ont osé le faire depuis tout à l'heure. Enfin, sur ce round-là. Alors que vous avez osé push aucun side. Sachant que l'arena le faisait peut-être, mais un peu trop toute seule. Fais attention à ça. Ah, pourquoi pas l'accompagner pour... Okay. Ah oui, toujours. Hein. Toujours être plusieurs pour faire quelque chose. Mais t'as vu, quand t'as push tout à l'heure, la raise a été surpris. Hein. C'est juste que t'as un petit peu paniqué et que t'as pas réussi, mais... Il y a un TP domaine sur Jin. Ouais. Tranquille. Pas de pression. La porte. Ouais. Mais je voyais mon Gecko qui était sur la, fin, dans la porte. Ici, genre, ouais. Enfin, il était genre là. Du coup, je me suis dit, ça va me tirer dessus. Après ça, comme je disais tout à l'heure, c'est les entre guillemets. Je pense que faut pas penser que ton allié fasse quelque chose. Il faut le voir et que ce soit affirmé pour toi. Okay. Quand je t'ai dit fais attention, enfin, quand je t'ai dit la porte, c'est qu'il y avait le bridge qui était en train de regarder et que du coup il fallait que t'aides d'abord à tuer le bridge qu'on avait vu sur le radar parce qu'on avait l'info pour le moment quoi. Ok. Rinburn, care. Attention, là si tu veux éviter tout, tu dashes direct, mais fais gaffe, tu vas être peut-être stun, fais attention. Wait. Fais ça. Nickel, fais attention à tes straps, t'as pas bougé. T'as tiré dans le corps. Ah, dommage. Bien joué quand même, tu vois, t'as osé quand même passer, t'as osé faire un truc et tu l'as réussi. Hein. Je pense juste que là, ce qui se passe, c'est que t'as trop la pression du coaching. Et c'est normal. Oui, après, j'essaie de penser à tout et rien voilà. À la fois. C'est ça, je sais pas comment dire, mais... T'as le stress de ça et t'as le stress de vouloir bien faire aussi parce qu'on a appris des choses. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. Ça arrive très souvent dans les coachings et je le sais, c'est normal. Hein.
Te remets pas en question pour ça. Ce que tu fais, c'est tout ce que tu fais est très bien. Juste voilà, je te dis les choses à faire. Et c'est normal de faire les erreurs que tu fais maintenant. Ouais, voilà, c'est toi qui va retourner par la suite, c'est normal. Les gens intelligents le comprendront, les autres non. C'est pour ça que je le dis quand même. Non, mais c'est évident qu'on peut pas. Même demain ou quoi, c'est. Oui, voilà, même demain, tu vas encore galérer un peu. Juste avec le temps, quoi. Au moins tu sais tes erreurs, tu les connais, t'as le live pour te remémorer ça. Et un coaching d'une heure en faisant un deathmatch et une game, ça te montre quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de situations qui vont être similaires à ce que tu vas pouvoir faire dans tes futurs games. Ouais. Et on l'a vu notamment là, quand ils sont 5 en vie à chaque fois, ben, tu sais qu'ils vont te push. Okay. Et on l'a vu plusieurs fois. Donc maintenant tu vas savoir que quand il se passe cette situation là, tu vas attendre, tu vas prendre ton temps. Et voilà. Tarpin intelligent le pops. Tarpin intelligent. Ça sert à rien d'y aller là en vrai. On a le son qui bug, on verra après. Ah ouais? On verra après, vas-y, fais ton round. Oh, merci Shanghai, tu vas bien? Yo mon GM, comment tu vas? Merci pour le sub, c'est vrai. Non mais... Je te relance le stream du coup. Ma faute. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, on va voir. On va aller checker 2-3 petits trucs après. My ult's ready. Je sais pas pourquoi ils ont persisté à aller sur A en vrai. C'est l'Elo qui veut ça. C'est-à-dire okay. Qu'ils veulent forcément toujours. En vrai, je pense qu'on aller... a tué le Cypher, le C il était. Ça, c'est un call que tu peux dire souvent dans la game. Hein. Si tu le sais qu'il faut pas le faire, tu leur dis. Mais par contre, s'ils veulent pas le faire, tu restes quand même avec eux. Ouais. Faut pas s'énerver contre eux en fait, parce que les alliés ils sont tous différents. Si ils sont... tu leur dis une phrase, ils vont. Enfin, ça va créer des tensions, ça sert à rien quoi. Ils sont déjà très souvent toxiques. Faut pas leur dire de conseils non plus, mais tu peux leur émettre l'hypothèse de partir ailleurs parce que c'est une bonne idée. Mais okay. S'ils font pas, il faut que tu restes quand même jouer avec eux. Ok. Tu vas jouer avec eux et tu fais les choses. Ok, bon, c'est pas grave sur cette game. C'est normal aussi. Hmm. On va quand même essayer de. Bah déjà. Attends, je vais dire quoi. Il est 19h. Là, ta game, c'était un peu trop pour toi, du coup, de la faire. Mais au moins, t'as vu énormément de situations, c'est bien par rapport ouais, à ça. C'était pas mal, j'ai bien appris. Ouais. C'était cool. En général, il y a pas mal de coaching que je fais où les gens perdent, mais ils apprennent par derrière et ils font quand même beaucoup plus de victoires après. Là, je préfère perdre là et monter après que gagner là. Ouais. C'est plus logique.